On peut y aller. Non. Merde, je vais me retourner. Ah, il y aura un truc putain de merde. Hey yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue pour le chapitre 5 d'Araya, où nous allons incarner cette fois Rama, notre cher petit Rama, qui au fur et à mesure du temps se perd dans cet hôpital. On ne sait pas ce qu'il fait Rama en fait dans cet hôpital, il cherche la merde. Eh bien écoutez les crocs, c'est parti, on va essayer de voir ce qui se trame derrière cette histoire là, ça sent l'horreur, ça sent le screamer. Boss, Jin attacked me. What did you say? And I think he's kidnapped a woman. I got it, calm down. I will deal with him myself. Yes, boss. I'll be there soon. Ok, donc Rama a parlé à son boss. Go to agreed meeting point. Ok. On vient de contacter notre patron. On lui a dit, mec, il y a une fille qui vient de se faire kidnapper. Il faut que tu viennes tout de suite. Putain, on voit déjà Araya en fond là. Putain, que ça commence déjà à me faire flipper ces conneries. Alors attendez. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Oui. Oui. Ah oh, ouais. Je pense que c'est Araya ou pas. Non, c'est pas du tout Araya. C'est juste une putain d'infirmière. C'est une putain d'infirmière. Ok. Donc ouais, on a dit à notre boss, écoute mec, j'en ai marre de travailler pour cet hôpital. Il y a une fille qui vient de se faire enlever en parlant de Marisa. J'ai besoin que tu ramènes tes fesses ici. Oh. Ok. Ok, Crosmont, on va essayer d'aller par là, je sais pas trop, on va essayer d'avancer. Ouf. En tout cas, ça fait plaisir de réincarner Rama. Ça faisait... Putain, encore des chiottes. Ah! Mais quelle saloperie, je l'avais pas vu! Quoi? Tu me montres une poubelle. Quel est le sens de... De ceci? For arm to use a weapon to hunt someone is cut to have strange super new. Ok, il y a une arme super naturelle qui a la force de tuer des démons, c'est ça, enfin un truc du genre. Encore une fois, il y aura la traduction, vous inquiétez pas hein. Non. J'ai pas signé pour ces conneries moi. Je vais vite démissionner moi. Putain, Rama, qu'est-ce que tu fous là? Oh, regardez, il y a même de la brume dans l'hôpital. Il y a carrément de la brume dans ce putain d'hôpital. Ok, on va aller par là. Ok, elle est en haut. C'est une infirmière, on l'a pas encore vue. Depuis le début du jeu, on ne sait pas du tout qui c'est. Hein. Enfin, je pense. C'est clairement une infirmière. Qui fait vraiment flipper, oui, exactement, les crocs. C'est ce que j'étais en train de me dire, en fait. Oh la vache. Ne tombe pas dessus, hein, salope. Putain! Mais quelle saloperie! Il suffit que je dise me tombe pas dessus pour que cette conne me tombe dessus! Wow! Du coup, on est où là? On est à la cafétéria, c'est ça? Je pense que oui, ça doit être la cuisine. Là où les patients venaient manger, du coup. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ça devait être une chaise roulante encore. On se tire. Oh la vache. Là. On peut y aller. Non! Merde, je vais me retourner. Ah! Il y aura un truc putain de merde! Elle me fait flipper, cette infirmière, en fait. C'est un truc de malade. Putain, me ressaute pas dessus. Non, c'est bon. J'ai tellement eu peur, je croyais qu'elle allait me ressauter dessus, c'est bon. Donc elle m'indique d'aller par là. C'est ce qu'on va faire les crocs, on va la suivre sinon elle va pas être contente. Elle va encore nous bondir à la gueule. On va juste suivre ses instructions. Ok. Oh, incroyable. Il y a beaucoup de sang. Find and burn all the seals. Trouve et brûle tous les signes. Truc du genre. Ah, on a encore affaire à une momie qu'on avait vue dans le chapitre 4, là. Il y avait une pièce remplie de momies. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on vient de choper une note. Je sais pas à quoi elle va nous servir. Bref, on va continuer. Donc, il faut récupérer des... Pourquoi tu te refermes devant... Ne te referme pas devant moi, porte. Oh, la vache.
Quoi? Eux? Collecte 5. Ah, il en faut 5, d'accord. Il en faut 5 et il faut les mettre ici. Ok, c'est encore une espèce de rituel très bizarre. Regardez, on peut voir une pratique très, très chelou, là, avec des ficelles. Bon, on en a 3 sur 5. On va essayer de choper les 5. Oh! Comme par hasard, le truc se casse la gueule quand j'ouvre la porte. Alors, ici, on en a... Il y a des putains de bruits derrière moi. Ok, on a 4, il nous en manque une. Allez, encore une, les crozes. On peut le faire. What? C'était quoi, ça? Il y a trop de bruit. Oh, attendez, on a... Oh! Un old kin toys. Kids and play with... Ok, un ancien jouet de pour enfants. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on va le prendre. Ah non, on peut pas le prendre, d'accord. C'est pas grave. You must die. Tu dois mourir. Ok, super. C'est très sympa de ta part. Très sympathique. Très sympathique. Ok, qu'est-ce que je fous ici, moi? Je me casse. Tout va bien. Mais oui, tout va bien, petite momie. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire, là? Pourquoi t'es sorti de ton cercueil? C'est pas la foire, ici, hein? Tu crois qu'on rigole dans ce genre d'endroit, toi? Allez. Putain, on a toujours pas les 5. Il nous en manquait un, bordel. Ah, attendez, je pense pas avoir été par là. Quoique, je sais plus. Oh! 5! C'est bon! Putain, mais c'est tellement grand comparé aux autres chapitres, c'est immense! On peut se perdre très facilement là en fait. Oh! Oui! Non, enfin je veux dire non, non! Ok, on vient de brûler les. On vient de brûler le bordel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois sortir? On va essayer de sortir. Qu'est-ce qui va. Wow! 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 Il y a tout qui a bugué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait bugger, les crozes. Ça, c'est le petit rond qui te fait dire merde, je crois que t'as fait une connerie. Ah, c'est bon! Game saved. Ok, le chapitre n'est pas du tout fini. What the fuck? Oh oui! Je connais cet endroit, les crozes. Catch Little Girl. Mais putain, on l'a déjà fait, ça! D'accord, on se retape ce qu'on avait fait dans le chapitre 2, je crois, avec Rama. Ah, on l'avait fait, ça, on doit la trouver, d'accord. Bon. Pas de soucis pour Toshi. Oh, un petit Teddy. Ah, attendez, il y a quelqu'un sous le lit, là. Il y a quelqu'un sous la couette. On fait très attention, on va choper la clé. On va choper... Eh ouais, c'est un petit Teddy. It looks like someone played... Nanana. Ok, quelqu'un a joué avec pendant très longtemps. Très bien. Toi, on va te laisser pioncer. On va juste se barrer. Donc, on a chopé une clé. Qui sert donc à ouvrir une porte, à mon avis. Ah! Oh, on a trouvé, je pense. Oh! View object. Qu'est-ce que c'est? Une roue. Super, on a chopé une roue. Là, il y a quoi? Un réveil, ok. Ok, ok, c'est cool. Oh là là, mon dieu. Pourquoi il y a tant de réveils ici? C'est quoi le délire? Oh! Des poupées. Ah! Je n'ai rien fait, c'est pas moi. Et le chapitre n'est toujours pas fini, putain, incroyable. Alors attendez. Ok, il y a une espèce de grosse poupée, mais trop flippante. Hey Rama. Yes, sir. Be careful, boss. Ok, le boss y est mort. You dick. Ah. You're not gonna stop, are you? Do you really think you can get away? Oh! Allez! Oh putain, 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 putain! Oh putain, il est juste là! Vite, 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 vite! Allez, space! Oui, 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 oui! Vas-y, vite! Là! Ah! Oh le con! Je suis en panique. Oh mon dieu. Allez, 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 allez. Oui. Oui.
Ok, on vient de finir le chapitre 5. Petit aperçu du chapitre 6. Hey, ok, très bien. Donc ça nous dit juste qu'on va réincarner donc le mec, le photographe qui était venu dans l'hôpital pour photographier des trucs chelous. On va le réincarner, cool. Eh bien écoutez les crozes, fin du chapitre 5, je crois que c'était le plus long chapitre depuis le début. Autant le chapitre 4 était très court, autant lui, il était super long. Mais excellent, excellent encore une fois. Rien à dire, rien à dire. En plus Rama a réussi à niquer le... Bah le sataniste là à la fin, parfait, parfait. Sur ces crozes, on se retrouve bientôt pour le chapitre donc 6 de Araya. Ce jeu n'a pas de fin, ce jeu ne se finira jamais. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo si vous l'avez bien entendu apprécié. On se retrouve très bientôt avec crozes, portez-vous bien. Ciao.